Salut l'équipe! On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va continuer, on va essayer de compléter la collection avec les Furuta Pokémon. Voilà, si vous n'avez pas vu la première ouverture, allez la voir, franchement. On a eu des Pokémon sympas. Et voilà, allez, on va ouvrir, on va commencer à ouvrir les boîtes, comme ça ira un petit peu plus vite. Et ensuite, voilà, vous allez découvrir les trucs avec nous. Allez, c'est parti l'équipe, on ouvre et on va découvrir. Oh, celui-là, t'as vu, il était déjà un petit peu ouvert. Oui. Ouais, le chocolat, il est un petit peu cassé aussi. Mais bon, hein, il vient du Japon, hein, donc on va pas dire que c'est normal, mais non, c'est arrivé en bon état, franchement. Allez. Espérons qu'on en ait au moins 3 ou 4 pour compléter. Essayez. Ah, je crois qu'on l'a pas celui-là. Non, on l'a pas. Si, c'est Sacha. Ah non, c'est l'autre. Oh, cool. Ouais. C'est qui ça? Non, c'est pas Ondine. Ah oui, c'est elle. Ouais, mais c'est qui? C'est pas Ondine, ça. Je sais pas qui c'est, ça. C'est une dresseuse, c'est sûr et certain. C'est la 3. Ouais, c'est la numéro 3. Ben, on l'avait pas déjà, c'est une très bonne chose. Mais par contre, je sais pas du tout qui c'est. Mm-hmm. C'est pas grave. Quand même, elle est belle. Ouais, elle est sympa. Ça complète. Regarde si Sacha, il a la casquette droite ou à l'envers. Ouais, droite. Parce que je vois que là, peut-être que j'ai mal mis sa casquette dans la vidéo suivante. Regardez Sacha. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Il est trop. Ouais, il est pas mal du tout. C'est pas mal. Franchement, dans une vitrine, ça va faire joli, ça. J'espère qu'on va arriver à avoir la collection complète et surtout avoir la secrète. Il y a des chances que la secrète, ça soit Dracaufeu. Moi, j'aimerais bien aussi avoir Flambino. Ben, faut tous les avoir. Flambino. Ah, un petit double. On l'a déjà, celle-là. Ben, on va le remettre dedans. Les petits doubles, on va pas s'arrêter dessus. Ça sert à rien qu'on les monte, les doubles. Ouais. On va les mettre là. Ouais. C'est un petit tourne-grain. Attends, Mas. Oui, le même. Ouais. Ça, c'est un petit double. Allez. En tout cas, le packaging, il est super mignon. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais. C'est bien. Allez. J'espère qu'on aura Pikachu. Ben j'espère aussi qu'on aura Pikachu, mais à mon avis, il doit être dur à dropper. Hein. C'est obligé. Même évolue. Hein. Et là. Ah, c'est qui? Ah, c'est pas le même. Celui-là, on l'a pas. Bon, ça va. C'est le canartichaut. Canartichaut. Et nous, on a eu le palartichaut. Donc, celui-là. C'est le 18. Ouais. Celui-là, il est là. Ah, c'est là, il y a le petit bras. Le petit bras, ça va où? Ça. Ah, ben c'est dans son bras. Il le tient. Ah oui. C'est le... Montre comment c'est, Mas. Ah ouais. C'est à l'envers. Comme ça. Non, montre. C'est à l'envers, regarde la plante, elle est à l'envers. Ah ouais, c'est comme ça. Ah non, c'est comme ça à mon avis. Ça sert à le tenir. Ah, c'est comme un bouclier. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal, une épée. Ouais, comme une épée et un bouclier. Eh ben, épée et bouclier. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Franchement, épée et bouclier. Ah, c'est rigolo, c'est top. Ah, c'est trop top. Ouais, franchement, il est joli. On a eu le 18. Posé comme ça, là-bas, là, sur le fond, là, franchement, ça fait joli. Posé sur, franchement, une vitrine, un petit truc comme ça, c'est vraiment sympa. Allez. Même les œufs, ils sont colorés, ils sont plutôt jolis, je trouve. Oui, le violet avec les petits points. La couleur préférée de ma petite soeur. Allez. Bon, pour le moment, on a eu qu'un seul double. Oh, c'est pas un double, c'est top. C'est le Morpeko obscur, là. Oh, cool. Ouais. Le petit Morpeko. C'est dommage, ils auraient pu mettre Rosemary. Eh ouais, à la place d'elle là. Parce qu'il y a deux Morpeko dedans. Ben, j'aimerais bien que le truc, ce soit Rosemary ici. Ah, peut-être Rosemary en secrète. Oui.
Ouais, ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Voilà, petit Morpeko obscur. Est-ce qu'on aura la secrète? Sympa. J'espère, hein. Oui, moi aussi. Allez, la secrète, il nous la fout, hein. La secrète. Bon, franchement, ah non, ça peut être Zacian ou Zamazenta, mais non, ils auraient mis... je sais pas, à part Dracofeu, franchement. Pour moi, c'est Dracofeu, la secrète, c'est obligé. Moi aussi. Eh oui, c'est obligé que c'est Dracofeu. Allez, elle de la coiffe. C'est qui? Ah, c'est Lucario, ça, non? Oui, c'est Lucario. On l'a déjà Lucario. Ouais, c'est Lucario. Oh, oui. Franchement, elle est belle, Lucario. Ouais. Mais c'est un double, on l'a déjà. Donc, on va le remettre là. Allez, celui-là. C'est la secrète, celui-là. Celui-là, c'est la secrète, tu le sens? Oui, je le sens. Allez. La secrète. Ça serait beau, hein. Parce que même ça, mine de rien, ça a une cote, hein. Bien sûr, il y en a qui ont ouvert des, par exemple, les mêmes en Mario. J'ai pas. Ah, c'est le Morpeko normal. On l'a pas, ben c'est plutôt bien. Ah, Morpeko normal. On a le obscur. Enfin, je dis le obscur, mais je sais pas si c'est ça, hein. Il est où? Et on a le normal. C'est le 11. Le 11. Regardez comme ils sont mignons. Voilà. Et franchement, rien que ceux de Mario, ils se revendaient 5, 6 euros, 7 euros unité. Et la secrète, elle se revendait cher. Par exemple, une display comme ça, bon là, à mon avis, c'est encore trouvable, facilement trouvable. Mais dans quelques mois, tout ça, quand il n'y en aura plus, quand ça sera écoulé, c'est comme les cartes Pokémon, ça prend de la valeur, c'est incroyable. C'est incroyable que des trucs comme ça prennent de la valeur et que... Là, pour tout vous dire, ah, c'est le pal artichaut, on l'a déjà. Pour tout vous dire, là, c'est 15 euros la boîte. 15 euros la boîte. Ouais, la boîte de 10, ça fait 15 euros. Donc ça fait 1,50 euros, un œuf surprise comme ça. 1,50 euros. Ouais. Donc pour 15 euros, ça va, franchement, je trouve que c'est une petite ouverture sympa pour 15 euros. En plus, elles sont bien les. Petites figurines. Ouais, les petites figurines, elles sont pas mal du tout. J'aime bien, moi, j'adore. Mince, j'ai mis le chocolat là-bas. Alors que c'est le reste. Regardez. On a du chocolat, les amis. On va bien manger, je crois. Allez, on a même pas eu Evoli ou Pikachu. Allez, Evoli ou Pikachu. Oh, Evoli. Eh oui, petite Evoli. Magnifique! Evoli! T'as vu, j'avais dit aller même pas Evoli au Pikachu et on a eu le petit Evoli. Attends. Si. Attends. Il manque un truc ou quoi? Non! Attends. Non, il manque rien, regarde sur la photo. C'est comme ça. Ah ouais, mais c'est de l'autre côté. C'est ah oui, moi qui le mettais. Ouais, je le. Voilà, comme ça. Et la tête. Ah, comme ça. Ah non, c'est pas fini. Mais il est tout mignon, notre petit Evoli. Regardez-moi-le. Il est trop mignon. Il est pas mal du tout, hein. Oui. Et tu le caresses comme si c'était un chien, ma sens. Je l'adore. Bon ben voilà, tu on avait demandé soit Pikachu ou Evoli. On a le petit Evoli. J'espère que c'est pas un double cette fois. J'espère que c'est pas un double. Oui. Pendant que j'ouvre celui-là, va chercher Camilla. On lui fait ouvrir le dernier. J'y avais dit, on va aller chercher la petite sœur. Parce que si elle avait été là, ça aurait été un carnage. Mais là, je vais la chercher. On va la chercher pour le dernier. Et comme ça, elle mangera le chocolat. Et si c'est un double, je lui donnerai. Et ça, c'est pas un double, c'est le Moumouton. Allez, le petit Moumouton. Massilia, elle est encore plus contente que sa sœur vienne que sa propre sœur. Et voilà le petit Moumouton. Ben, il est pas mal aussi. Franchement, c'est pas mal.
C'est vraiment pas mal du tout. Et voilà le dernier. Allez Camélia, viens. Elle est là. Elle est là. Doucement, doucement, fais attention, il y a la caméra et tout. Allez Camélia. Allez, viens là. Voilà ma petite. Regarde, soeur. Ça c'est pour toi, la surprise. Alors regarde, je... J'espère que c'est pas Pikachu. Pourquoi? Ben si, j'espère que c'est Pikachu. Non, Bulbizarre. Ah oui, il n'y a pas Bulbizarre. Ah ouais, Camélia, elle adore Bulbizarre. C'est un œuf. C'est un œuf en chocolat. Miam, miam, c'est bien le chocolat. Attends, papa, il va regarder la surprise ou tu veux l'ouvrir? Allez, ouvre la surprise. Ouvre la surprise. T'arrives pas? Allez, la chance. La chance d'une petite main innocente, tiens. Allez, ouvre-le. C'est qui? Ah, c'est Morpeko Obscur. Ah ben oui, c'est Morpeko Obscur, ben je te le donne ma chérie. C'est un petit double, je te le donne. Je l'ai. Tu l'auras. Tout à l'heure. Allez, prends un petit peu du chocolat, va, allez, faites-vous plaisir, tenez. Voilà, voilà. Je peux pas manger? Bon, on fera une autre ouverture un petit peu plus tard. Donc voilà, celui-là il est pour toi Kamkam, tiens, je te le donne, c'est cadeau. Et toi Masmas, je te donne, t'aimes bien Charmili. Tiens, voilà le Charmili qu'on a eu dans l'ouverture précédente. Tiens ma chérie, t'aimes bien Charmili. Donc regardez tout ce qu'on a pour le moment, notre petite collection. On a le petit Evoli, le petit Moumouton, les deux Morpeko. Après je sais pas si c'est Ondine, après Sacha, Ectoplasma, Tournegrain. Il y a les Flambino, il y a que Flambino qu'on a en double. Celui-là on l'a en double. Et après il y a le Palartichaud, il y a le Canartichaud, le Lucario aussi qui est vraiment stylé, qui est vraiment sympa. Le vol tout au fond. Donc voilà notre petite collection. En ayant ouvert 20 œufs. Donc on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il y en a 22. Donc il nous en manque 8.